Installez-vous bien, hein, mais ne mettez pas les pieds sur les nappes. Les nappes sont blanches. Bonsoir, messieurs. Soyez les bienvenus. Bonsoir, messieurs, dames. Souriez un peu. C'est pas facile. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Je sens la partie. Tout à l'heure, on va commencer. Quand je vais me chausser. Bonsoir tout le monde, bonsoir ici, ça va, ça se passe bien? Souriez un peu quand même, encouragez-moi. Merci beaucoup, j'adore le sourire. Bonsoir madame, dans le film vous avez un gars? On a mangé ensemble. Le soir, on devrait voir cela. Yes!
peut tous se réconcilier tant que la patrie nous tient à cœur. C'est ce que nous avons fait ce soir. C'est pour ça que dans cette salle, on peut être ensemble avec des frères qui sont sympathisants ou militants de Guillaume Soro, qui sont avec le président et qu'on a médié, et cela ne nous gêne pas tant que nous sommes d'accord que c'est la patrie qui nous suit. Le deuxième message que j'envoie sur la table, c'est que si nous sommes capables de nous unir, c'est que lui, ce gars, il s'égare et il fasse très attention. Parce que les moments qui arrivent seront fatidiques pour la Côte d'Ivoire de demain. On ne peut pas comprendre que des frères qui se sont entretenus hier se mettent ensemble aujourd'hui, et que toi seul, tu veux décider pour toute la nation. On ne peut pas accepter aujourd'hui, on ne l'acceptera pas demain. Aux frères du PDCI, aux frères du FPI, moi je suis la société civile, mais je ne peux plus accepter parce que je suis un exilé à cause de cette crise, sans être du PDCI, FPI, du président Laurent Gbagbo. Je suis là pour dire à quiconque veut prendre le pouvoir, hier il y a eu 3 000 morts dans notre pays, autour de 16 000 même selon le rapport de la CDVR de M. Charles Marabani. On ne peut plus accepter que quiconque, pour un poste présidentiel, un poste ministériel, un poste de député, de maire, fasse tuer encore un seul Ivoirien à cause d'une élection. On n'achètera plus jamais. Et je vais terminer. Pour terminer, je voudrais vous dire aussi que finalement, la Côte d'Ivoire va devenir un pays de règlement de comptes par règlement de comptes. Parce que l'autre était dans l'opposition. Il dit que les frères du Nord sont maltraités. Et pour cela, on a pris les armes. Aujourd'hui, c'est lui qui met des députés en prison. Et puis, c'est lui qui chasse les villes du pays. On est des milliers comme ça en exil. Des cerveaux qui se promènent à prendre l'avion tout le temps. À nous, je voudrais dire ceci. D'ici la fin de cette année, M. Ouattara ne sera plus là au pouvoir. Je vous l'ai dit. Mais ça me pose un message. Parce que si c'est que lui l'a fait, après lui, nous recommençons à faire la même chose. La Côte d'Ivoire va partir de crise en crise. C'est pour ça que les plus forts, les vrais patriotes, ce sont ceux qui seront capables de dompter leur colère, leur haine, pour que la Côte d'Ivoire naisse pour le bon que Dieu bénisse. Go ahead.
Ah.